On est parti. Deux maisons, deux habitants. Joyeux Noël, c'est vrai. On n'y pense pas, comme on voit personne. Tu m'entends bien? Pas trop fort? Coupe le bois. Allez, dépêche-toi. Pourquoi tu construis tous les sols? Allez, viens aussi. Allez, Yvonne, viens construire également. Ça va aller. Gentiment. J'ai réglé les sons, mais c'est pas encore optimal. Mais je pense que tant que j'ai pas un nouveau micro, ça ira pas. Celui-ci est pas au top pour monter dans les sons. Menu d'aide, coin supérieur. Ok. C'est pas optimal pour les enregistrements. C'est surtout ça. On va accélérer le temps et qu'ils construisent les maisons un petit peu plus vite. C'est de mieux en mieux, on va dire. J'aurais dû construire des lits dans en urgence pour pas qu'ils dorment à terre, tant pis. Tu prends la propriété. Et Mélanie, tu dors toujours? Oui? Oui. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils vont chercher du bois alors qu'il y a tout ce qu'il faut. Ici, construit. Voilà, chacun leur lit. Et maintenant, table dans sa maison et un panier pour la colonie. Panier pour la colonie. Ça comme ça. Yvonne construit. Elle va chercher les cristaux. Yvonne, elle a besoin du panier à nourriture. Et tant qu'il sera pas là, on pourra pas passer au niveau suivant. Voilà, nickel. Ici, il y a un colon qui va arriver dans 3 minutes. Il y en a une qui s'est blessée. C'est magnifique. Dormi, légère douleur. Un pour le bois. Voilà. Donc ici, on continue. Métier. Support, parce qu'il en faut un dans la chambre. Mais il faut regarder lequel en a besoin. Alors lui, il a ce qu'il faut. C'est Mélanie. Et là, Yvonne, Mélanie. Donc ici. Hop là, métier, Mélanie. Voilà. Un vœu d'accompli en plus pour Mélanie. On a un migrant qui arrive. On va envoyer Mélanie parler avec. On va diminuer le son. Le jeu, pardon. La vitesse du jeu. Comme ça, on va demander un petit peu ce qui se passe. Développer au plus rapidement l'agriculture pour avoir de la nourriture et préparer l'hiver pour la première année. Alors Mélanie, on va accepter le migrant. Ça fera une personne de plus dans le village et lui va être bâtisseur dans un premier temps. Barbara. Alors Barbara, qu'est-ce que tu as comme capacité? Là, rien. Où est-ce que je vois ça encore? Je peux changer le nom. Je sais plus où. Si c'est ici, c'est justement un artisan. Donc, en priorité l'artisanat, mais comme il n'y a pas grand-chose pour le moment, on va te remettre une maison. Alors, maison, mur, ici. 1, 2, 5. Voilà, 5 sols. Voilà. Pas oublier la porte, sinon on se retrouve bloqué. Voilà. Ça, c'est une chose faite. Ensuite, de quoi as-tu besoin? Besoins sont déjà satisfaits. Toi aussi. Et toi, pas du tout. Barbara, il faut que je construise un lit ici dedans. Le dodo là. Et construis-le avant de t'endormir. Que je te l'assigne. Voilà. Prendre la propriété. Ok, comme ça elle a un lit. Doit arriver au niveau de satisfaction. Alors pour ce faire, elle a besoin dans la colonie d'avoir une armoire à potions de soins. Et camarade avec Mélanie Laurent. Mélanie. Ok.
Alors, Mélanie, tu vas devenir érudit. Et tu vas être érudit en priorité. Voilà. J'ai assez de cristaux, donc elle va pouvoir me développer l'agriculture. Mélanie, de la pierre, on n'en a pas besoin. Fais la recherche, là. On va te retirer la compétence de mineur. Voilà. Et tu te mets au maximum en érudit. Barbara qui nous fait un petit dodo. Regardez lui construire l'armoire à potions de soins en stockage. Alors, potions de soins ici. On va la mettre non, pas comme ça. Là. Une pièce terminée. Là, on va lui mettre dans sa chambre. On va leur donner un coup de main de vitesse. Ça ira beaucoup mieux. Petit soin, Barbara. On va lui mettre une table dans sa maison. Alors, cette table. Salle à manger en bois. On va la mettre dans le coin. On mettra une chaise ou deux après autour. Barbara, tu restes pas à rien faire, sûrement pas maintenant. Tu vas me chercher du coton. Hop là. Qu'est-ce que tu as encore besoin? Une chaise. L'agriculture est déverrouillée maintenant, donc on va leur mettre. Je vais faire. Ouais, on va aller chercher les armes. Ça, c'est une bonne chose. Non, c'est Barbara, c'est juste. Comme ça, s'il y en a encore un quatrième colon, on a de quoi accueillir. Tu dormiras plus tard. Tu peux venir ici. Allez, Barbara, comme. Ici, je te mets ta chaise dans ta chambre, comme tu as bien bossé. Petite chaise en bois. Ici dans le coin, on tourne et on se rapproche. Voilà. Comment déplacer un bâtiment? Et après, tu vas devoir parler avec Mélanie qui est partie. Non, qui est juste là. La menuiserie aussi va me permettre normalement d'avoir les premiers outils. Ouais, la première hache et la première pioche. Ça me sera plus qu'utile. Barbara et Mélanie, c'est parfait. Alors, on ralentit 2 secondes pour regarder ce qu'il y a besoin. Ben voilà, donc on a un nouveau colon qui va arriver. Dans 25 minutes, c'est une joke. Alors, on a du bois, on va construire la maison pour l'accueillir. Alors ici, dans les points, une chose qui est très importante, les points, quand on a des points ici, on peut modifier des événements ou ce qui n'est pas positif ou rajouter des positifs en fonction du nombre de points et des niveaux des personnages. Et dans les métiers, c'est le même principe. Quand quelqu'un a un point de métier, par exemple ici en artisan, je peux lui dire d'utiliser des machines à coudre. Ou alors pour tout ce qui est équipement, où il peut fabriquer des arcs ou forger autre chose. Mais il faut des points de compétence et des points de niveau pour les appliquer. Alors, Barbara. Yvonne, pourquoi tu viens donner un coup de main? Ça c'est, on laisse tomber. Et tu vas travailler en tant que forestier. On a besoin de bois. Alors, la recherche de menuiserie est presque terminée. On va regarder également de construire un bâtiment pour tout ce qui est production. Voilà. Alors, la menuiserie.
On va aller chercher l'épée en bois. Oui, non, parce que je ne sais pas, j'ai pas assez. Marchand est arrivé, pour le moment pas utile. J'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir échanger avec lui. Alors, jardinage, lui, il permet. Et chercher l'irrigation derrière pour l'arrosoir et le puits qui va augmenter mes coutures, mes cultures, pardon. On va faire le jardinage. Le prochain qui va arriver, il va m'être destiné. Non, je vais déjà le modifier maintenant. Sinon, on va jamais y arriver. Alors, on construit en agriculture. Tomate, on a presque fini. On va construire plutôt ça. Un premier temps, on va voir ce que ça donne. Songe en avoir besoin de la nourriture, donc pommes de terre. Voilà. Pourquoi Mélanie, qui est censée être à la recherche, se retrouve à la construction? Donc les besoins sont satisfaits. Découvrir écriture, ça c'est pour plus tard. Lui, il dort. Un pot de fleurs dans sa chambre, ça c'est facile à mettre. Décoration. Un pot de fleurs. Voilà, ça va être vite fait. C'est Yvonne qu'elle avait besoin du pot de fleurs. Ouais. Et elle a besoin aussi d'une étagère pour nourriture. Étagère à nourriture. Voilà. Couper du bois. Ok. J'avais pas vu par contre qu'ici au-dessus, il mettait ce qu'il faisait. Ça, c'est intéressant aussi. Alors, Yvonne, Barbara, il faut l'atelier à tisser. Alors, métier. J'ai pas de quoi, pas de bois. Il me faut aussi le charpentier pour que je puisse fabriquer les outils. Je me demande même si je vais pas mettre le charpentier d'abord. Je crois que c'est pas encore un besoin pour le moment. Là, dans le coin. 19 minutes, quand même déconné. Par contre, j'aurais peut-être pu mettre en champ, mais je crois que maintenant il est trop tard. On va d'abord laisser passer la saison et après on fera sur la saison suivante l'agriculture. Alors, on va leur donner un coup de main. Yvonne s'est blessée. Est-ce que c'est une blessure grave? Oui, quand même. 40 minutes de travail lent. On va en profiter pour te relaxer quand tu as la mission à faire. Voilà. Vœu accompli. On a construit les machines. Le champ se construit. On va construire le lit pour accueillir la nouvelle personne. Voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Pénurie de nourriture. On va envoyer Mélanie récolter des pommes. Mélanie va devenir fermière. On a besoin d'en priorité un fermier et les recherches ça peut légèrement attendre. Donc le nouveau est prêt à être accueilli. On va quand même construire en agriculture. On va pas en mettre beaucoup parce qu'on va être bloqué de toute façon. Donc là. Comme ça c'est fait. Mélanie est toujours aux pommes. Ça leur permet d'avoir un petit peu de nourriture et ça fait pas de mal. Alors, est-ce que Mélanie a des points de compétence? En ferme, non. Érudit et bâtisseur, on retire complètement. Bâtisseur, c'est Barbara. Yvonne, elle se relaxe et elle a besoin d'arriver en forestier. Eh ben, elle y retourne, c'est parfait. Travaux longs, 40 minutes, quand même assez chiant. Normalement, toi, tu devrais venir cultiver ici.
le peu de temps. Il reste une journée, je crois, complète. Je suis même pas sûr qu'ils auront le temps de pousser, mais au moins prends des points de compétence. Ok. Gentiment mais sûrement. Un petit coup de main. Lui, il sera d'office notre bûcheron. Par contre, ça, j'ai pas encore trouvé comment on pouvait faire. Pas du tout, du tout, du tout. Un vœu accompli. Et qu'est-ce qu'elle a besoin maintenant? L'écriture. L'écriture, il en faut 20. Donc ça veut dire qu'il me faut une réserve de cristal, stockage, cristal. On va mettre ça ici. Voilà. Notre amie Barbara va aller construire tout ça. Alors, quand on aura la possibilité, maintenant, on va mettre le métier. On va mettre l'atelier du charpentier. Il me faut plus de bois. Ça va arriver de toute manière. Voilà. Elle glande un peu, elle, mais bon. Pas le choix. On pourrait l'envoyer couper un peu de bois aussi en attendant. Non, on va donner un coup de main pour retirer les insectes, retirer tous les plants infectés. Hop, on fait ça. Allez, éviter que la maladie se propage. Mais ça, c'est déplacer les meubles, il n'y a pas de problème. Comme ça, elle peut planter derrière. Normalement, toi, tu vas aller couper du bois. Que tout seul il suit pas. Normal, il n'a pas d'outils. Enfin, logiquement, je sais pas où elle est. Elle dort. On va pas risquer d'avoir beaucoup de bois. Combien de minutes? 19. 10, pardon. Alors en tissu et coton, on n'est pas trop mal. Métier à tisser, quand on aura la possibilité. T'en fais. Il me faudra 8, 12, 18, 18, voilà. Alors, est-ce qu'en agriculture, ouais, je peux faire le feu de camp, mais il faut 20 pierres, 25 de bois. On va d'abord construire l'atelier pour les outils qu'on va fabriquer en même temps. On avance. De retirer les souches, coupe le bois, ce sera bien plus utile. Alors le fermier. Voilà pour le bois. Fermier plante. Et elle va étudier, c'est parfait. Priorité à la ferme et après aux recherches. Tissu qui se fabrique. On va avoir la possibilité de mettre des lits ensuite. Mais d'abord, on diminue, on met là. Pas le stockage. Le métier charpentier ici. Voilà. Allez Barbara, va travailler. Va bouter, voilà. On s'y met en été et au printemps. D'accord, ok. Et eux, été et automne. Alors, en outils, on a besoin d'une hache et d'une pioche. J'ai pas de bois. Allez Barbara, va bouter. Couper un arbre. On a bientôt notre nouveau colon. 5 minutes. Mélanie, elle étudie. Yvonne, au boulot. Et je sais que je suis pas préparé pour l'hiver, mais ça va arriver. 7 de bois, 31. Alors on peut fabriquer la hache. On va attendre d'avoir une récolte chacun en plus. Allez, comme ici, on fabrique les outils. Toi, tu plantes, c'est parfait. Un petit coup de main pour que ça aille un peu plus vite. Une hache en bois, ok. Yvonne, il faut que je construise un stockage. Stockage pour la pioche et une pour le. Ah, piocher la hache. T'as pas fabriqué les équipements. On abattre. C'est l'autre
Donc c'est l'autre qui est là. Mais non, parce que dans l'ordre des choses, on était. Ouais, pioche. Il faut 25, 65 de bois. Yvonne, c'est celle qui est infatigable, hein, je pense. Trait de caractère. Je sais plus ce qu'on me voit. Là. Non. Ouais, c'est là. Infatigable. Tant les blessés. Donc il faut faire avec, malheureusement. Alors, où en est l'agriculture? Il termine de planter, il va récolter, enfin il va les manger, puis il va récolter. Et là, on va commencer à avoir de la nourriture. C'est une très bonne chose. En agriculture, un nouveau migrant est arrivé. On va prendre Mélanie. On va accepter le migrant. On prend tel quel, tant pis. Je le questionne pas, rien du tout pour gagner un peu de temps. Et au pire, si besoin par après, on le dégagera. Alors, la hache ici. Et là, on peut. Normalement, non, pas encore. Alors, toi, il déteste l'automne. Ça tombe bien, on est justement au printemps. Les boiteux. Il marche un peu plus lentement, donc on va essayer de le faire fonctionner à proximité. Nourriture préférée, très bien. Alors, ta maison, elle est ici. Tes demandes. Tes demandes de niveau 1. De quoi as-tu besoin? Atteinte la relation détestée. Oui, bien sûr. Et ici, on développe le jardinage. On va développer la couture. Et tu vas donner un coup de main à la ferme. Toi, tu viens chercher une hache, ça ne pourra être que bénéfique. Pénurie de nourriture, ça va aller, ça va aller. On commence à avoir les champs en production, on ne va plus manquer de grand-chose. Se relaxer, madame. Un lit approprié, niveau 1 dans un métier, avoir au moins un ami et un, enfin zéro ami et un camarade. Mais parler avec les gens, tu veux que je te dise? Toi, allez, me parle avec Mélanie. Voilà, comme ça, on va se faire pote. Voir si ça va augmenter ou descendre, si on est bon ou pas. En tout cas, leur conversation est bénéfique. Voilà, camarade, tip top. J'ai pas envie de venir détester auprès de quelqu'un. Je vois même pas l'intérêt. Allez, râle un peu, c'est pas grave. Parlez à Barbara. Barbara. Antonin. Antonin, il dort. On va laisser dormir. La pioche est fabriquée. Non, toujours pas. Pioche. Mélanie. Alors, on continue la ferme. On va augmenter le métier comme ça. Un petit coup de main pour qu'ils aillent un peu plus vite. 4 tomates, 25 pièces. Non. Elle se sera réveillée, on clique tout de suite. Yvonne est toujours au bois, c'est parfait. Allez, Antonin, continue, continue à planter. C'est pas lui le fermier? Non, c'est Mélanie.
Il vient parler. Conversation agréable. Une bonne chose. Il continue de récolter. Par contre, en bâtir, agriculture, il faut de la pierre. Antonin. Allez. Barbara, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Très bien. Va aller chercher après la pierre. Quand elle aura crafté l'outil, je vais lui équiper. Et elle ira chercher de la pierre. Allez, fous-lui la paix, casse-toi, Antonin. Et en plus, il a la relation détestée. Ok. Alors, Antonin, il veut un meuble. Qu'est-ce qu'il veut? Une commode. Alors, stockage. Non, c'est pas si, c'est stockage. Commode. Cinq commodes en bois. On lui tourne à côté de son lit. Voilà. Barbara, elle va les construire. J'aimerais bien que tu fasses l'outil. Voilà, le vœu est accompli. Alors ici, il manque juste un lit approprié. Le lit, il faut que je découvre le mobilier. C'est Barbara qui est aussi. Non. C'est qui? C'est le fait. Fermier érudit. On va mettre artisan et érudit. Bâtisseur mineur. Antonin. Qui c'est qui peut aller me fabriquer? Il n'y a pas assez de ressources. On va prendre des cristaux pour la technologie et la pierre. Tombe bien, il faut que je termine le sol ici. Et j'ai besoin de pierre pour le feu de camp. Table, stockage, agriculture là. Bon, maintenant j'ai toujours pas de compétences en ferme. Et donc, je ne sais pas faire le métier. Ici, fermier, la cuisine au feu de camp, qui est indispensable. Bon, ils font dodo. On va avancer le temps. On va essayer d'en gagner un petit peu. Comme vous le comprenez, toujours le principe, à chaque fois qu'on a un nouveau colon, satisfaire et puis revenir pour pouvoir avoir le nouveau colon. S'il faut des lits, ça va pas être trop compliqué. Cristaux en avance. Barbara, théoriquement, t'es censée construire. Comme il n'y a rien à construire. Alors, tu as besoin, Barbara, d'un centre de stockage pour outils pour toi. Alors, stockage ici. Non, Barbara. J'ai déjà oublié, si. C'était bien ça, stockage, outils. Hop, et voilà.
Et normalement, elle va venir le construire rapidement. Voilà, tip top. Ah non. Si. Non, toujours pas. Encore manger. Que c'était pas Barbara. Barbara. Elle fait des cristaux. Cristaux, pour le moment, on en a assez. Alors, qui est mon érudit? Normalement, ça devrait être elle. Ah, fermier. Ferme, base de l'agriculture. Et ici, on va débloquer cuisine au feu de camp. Et comme on a assez maintenant, on ralentit le temps. On met le en agriculture le feu de camp. Ici. Devrait le construire normalement. Elle fait, ouais, elle fait dodo. En bouffe, on n'est pas trop mal. Construire un lit approprié, il faut le mobilier qu'on doit développer ici par la couture. Non, mobilier, il est là. Et donc, Barbara. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle va là, je lui ai pas demandé. Alors ici, on ralentit. Tiens, viens, je l'avais pas tantôt. Alors en pomme, en stock, qu'est-ce qu'on a comme nourriture? De la pomme et de la pomme de terre. Donc on peut faire pomme et pomme de terre. On va faire 6. 12 et 12, c'est déjà pas mal. Et là, on a notre fermière qui va cuisiner. Alors, on réserve d'aliments crus. On n'a pas ça. Là, on a les aliments cuits, c'est ça? Le feu de camp, ouais. Ah. Mais c'est pas top. Elle, je préfère qu'elle récolte. Et Barbara, tu viens ici. La propriété et va analyser le cristal. Barbara. Il faut atteindre les 75. Et là, il faut qu'elle soit niveau 3 en artisan. Ok. On va continuer à produire. Ici, j'ai plus rien. Donc là, on a une pioche qu'on va mettre et Antonin, tu vas venir la chercher. Tu t'équipes. Voilà. Les petits boiteux. Découvrir la couture. J'ai plus rien en nourriture. Tout est déjà produit, c'est déjà pas mal. Mais je sais pas où on les voit. Parce que j'ai pas ici. Je n'ai pas du tout les aliments. Ah, ils sont là. Ok, aliments cuits. Je suis à 62. On va continuer. Pommes de terre, pommes. Qu'est-ce qu'il me reste comme quantité? 15. 15 pommes. On va en faire 6. Et les pommes de terre, on est. On peut faire 6 aussi. Et on peut même faire des tomates. On va en faire 10. Voilà.
Normalement, avec ça, je devrais être bon en nourriture. Petit entrepôt de cristal. Elle continue à le développer. On va arriver au mobilier pour pouvoir avoir les lits de niveau suivant. Alors lui, qu'est-ce qu'il a besoin? Satisfaction, découvrir couture. Alors Barbara, c'est le lit. Yvonne, il faut qu'elle se fasse un ami. Alors en niveau de relation, où est-ce que tu en es? Ouais, t'es nulle part, hein, Yvonne. Va parler à Antonin. Vous êtes à un côté de l'autre. Et toi, de quoi as-tu besoin? Du lit aussi. Ok. Ma fermière. Récolte les pommes. Viens plutôt semer les tomates, s'il te plaît. 2 pommes cuites et 17 pièces. Allez, on va payer ce coup-ci. J'ai pas encore d'armes pour me défendre, donc on va pas emmerder son peuple. Recherche. Alors, est-ce que t'as bien avancé dans ta relation ou pas? Ah ouais, quand même. Allez, parle à Antonin. Alors, j'ai besoin. On va mettre, tant que j'y suis, le sol en pierre ici. Le feu de camp a été construit. J'ai pas assez. On va déjà faire ça. Ils ont pas aimé se parler. Refuser, parce que de toute manière, pour le moment, je sais pas construire. De coffre. Enfin, c'est pas les coffres, les coffres forts, je sais pas encore parce qu'il me faut du minerai de fer et j'ai pas encore dans mes compétences au niveau du minerai de fer. Là, c'est pas artisanat en mineur. Minage de fer, je sais pas encore le faire. Donc voilà. Bon, en bois, on commence à être bien. Peut-être profiter pour reconstruire un et un de chaque. On a quand même Barbara qui est censée pouvoir le faire rapidement. Et la Mélanie qui cuisine, c'est parfait. Un point de plus ici. Elle mange la nourriture cuite. Enfin de... Ouais, la cuite, c'est bien ce que je dis. Et en relation, il va falloir que tu parles avec quelqu'un, toi. On regardera ça demain. Mélanie. Tu viens récolter les tomates. Tu iras chercher des pommes plus tard. Ça, c'est nickel. Je veux pas que tu fasses ça, Antonin. Ah, ok. Bon, je crois qu'ils vont tous aller dormir. On accélère le temps le plus rapidement possible. Trois cristals, une potion de soin. Ok. Mélanie, elle dort toujours, c'est Yvonne qui est repartie au boulot.
L'avantage du trait infatigable. Barbara, elle a pas envie de construire apparemment. Et toi? Bon, je vais le laisser construire, je sais pas pourquoi je dirige par là automatiquement. Récolte de nourriture, 67. On approche des 75. Tout est toujours produit. Va laisser replanter et quand il aura replanté, on va utiliser un max de nourriture cuite. 4 cristaux, non. J'ai pas envie d'utiliser mon argent. On vient d'accomplir un vœu, mais ah oui, les 75. D'accord. Alors, qu'est-ce qui leur manque? Je vais découvrir couture, je le ferai après. Artisan 3 et commode dans sa maison. Mobilier 1. Alors, on est parti. Couture. Et ici, j'ai besoin d'une commode. Donc, on va mettre ça tout de suite. Stockage. Simple commode en bois. Simple. Hop là. Voilà. Ça devrait le faire. Ici, on a les outils qui sont en production. Mélanie est partie récolter je sais pas quoi. Mais non, on va pas chercher ça, s'il te plaît. Allez, viens ici. Tu sèmes les pommes de terre, toi. Christo, on ira les chercher après. Et en plus, j'en ai encore assez. Donc, c'était Barbara que j'avais mis en érudit. Ouais. On va mettre l'érudit 2. Non, bâtisseur 2 au moins. Faut semer, il faut toujours garder de la nourriture. Alors, Yvonne. Yvonne, elle a besoin de parler à quelqu'un et elle a besoin d'un lit. Très bien. Récolte ça ici. Comme on va arriver en fin de saison et que les plantes vont pourrir, j'ai pas envie. Continue à semer. Voilà, le vœu est accompli pour Barbara et il lui manque un lit. Alors, le lit, c'est survie 25 et 25, comme ceci. Le marchand commerce. Comme ça, vous voyez un petit peu aussi ce qu'est un marchand. Voilà, on peut changer à gauche. Et, enfin, non, lui, c'est ce qu'il nous achète. Et ça, c'est ce qu'on nous on achète au marchand. Et donc, en fonction de nos surstocks, on peut lui vendre, par exemple, du 3 de bois pour une pièce, quoi. Et donc, il faut essayer de regarder ce qui rapporte le plus, les médicaments, les potions de soins. Mais tout ça, je ne peux pas encore fabriquer. Donc pour le moment, on n'a besoin de rien. Toi, tu continues à semer les pommes de terre. On est bien au niveau du bois. Donc, comme on est loin encore de faire la production, je ne vais pas construire la maison tout de suite. On va se concentrer sur la culture. Et c'est Barbara qui va pouvoir s'y coller en irréduction. Et elle doit arriver au niveau 3 en artisanat aussi. Il faudrait lui construire sa maison, mais ça, une fois que les outils seront finis, elle ira la faire. Et donc, hache et pioche. Elle n'a pas encore produite la pioche. Est-ce qu'on a des nouvelles machines au niveau des métiers? Non.
Les mines sont compliquées à construire vu leurs besoins. Voilà, donc elle commence ici, c'est parfait. J'aimerais bien d'abord que tu ailles pardon, prendre la propriété. Ouais. Analyse le cristal. Ça, on détruit. Donc, Barbara, elle est au top. On a tout ce qu'il faut. Donc, maintenant, Antonin. Faut que je découvre la couture. Donc, la couture, on est occupé. Donc, ça va aller. Yvonne, qu'est-ce qu'on a besoin? De se faire des amis. Et avec qui elle a plus de chance? Avec Antonin. Antonin, il est où? Antonin. Yvonne. Parle avec Antonin. Parler, voilà. Ça, c'est une chose qui va arriver. Et elle a besoin aussi d'un meuble approprié, d'un lit. Et Yvonne, elle est ici à côté. Donc, lit. J'ai pas assez de tissu. Qu'est-ce qui me manque en tissu? Deux tissus. Et j'ai justement assez de coton. C'est parfait. Voilà. On va faire les quatre. Plus qu'à attendre qu'ils produisent, mais ça veut dire qu'il va me falloir du coton pour les autres. Monte au dodo. Allez, c'est parti les enfants. Le marchand part. Pas de problème. Hop, on ralentit. Mélanie. Elle récolte les pommes de terre, c'est très bien. Parce qu'il faudrait pas qu'elle oublie aussi, c'est de les ressemer. Et elle va aller ici me récolter la tomate dans un premier temps. Comme les plantes vont pourrir au changement de saison et que le changement de saison est au lever de soleil qui est proche. Non, là. Récolte. Allez ici. Très bien, on replante, nip tip top. Alors, on va mettre pommes de terre, on remet 6, 6, et les tomates, 6. On est plus cassé en bois, on a fabriqué l'outil, je remets la pioche ici, voilà. Alors, Mélanie, s'il te plaît, peux-tu aller récolter la tomate? Après, on va semer les pommes de terre. C'est parfait. Alors, on va construire 12 bois, 8 de tomates. Bien sûr. 12 bois, 8 de tomates. C'était pas trop cher payé. Alors en pierre. Antonin. Antonin, Antonin. On va parler avec Yvonne. Non, c'est Yvonne qui a besoin. Alors, pour le moment, faut découvrir la couture. Mélanie. C'est Mélanie qui a besoin d'un nouveau lit. Ok. Donc, on lui met le nouveau lit. Mais on n'a pas le tissu parce qu'on n'a pas encore été le crafter. Donc, Antonin, tu vas aller tisser. C'est qui doit venir artisan? C'est Barbara. Cool. On a fermé niveau 2. Alors Mélanie, qu'est-ce que tu peux apprendre? Non, c'est pas là. C'est ici. Fermier. Cuisine à la cuisinée. Semer des fraises. J'ai jamais testé. Pourquoi pas? Semer du blé. Ouais, on va faire. Alors,
Donc en agriculture. Ouais, cuisine avancée, donc je peux quand même pas les faire. Elle cuit les pommes de terre. Elle va aller en chercher après. Les tissus sont craft, donc je vais pouvoir faire le nouveau lit ici pour Mélanie. Voilà. Antonin, où est-ce qu'il est? Bon, il est un peu plus près, c'est plus malin. Yvonne, elle coupe toujours du bois. Et le problème, c'est qu'en partant couper du bois, elle parle jamais à personne. Et on va aller voir avec Antonin. C'est les deux seuls qui seront moins pénalisants dans le village. Comme on a un bon stock de bois et un bon stock de pierre pour le moment, ça peut attendre 2 minutes. Alors toi, t'étais quoi? Érudit? Non. On va dire qu'à tes heures perdues, tu vas être docteur et artisan. Alors, je pense qu'on va lui remettre pommes de terre.